rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make it. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. Attention, les armes à feu, c'est du sérieux. Sachez qu'au Canada, vous devez posséder le cours requis par la loi pour manipuler et posséder une arme à feu. Vous devez ensuite posséder une carte de possession-acquisition délivrée par la GRC suite à une enquête. Vous devez aussi utiliser et entreposer votre arme de façon sécuritaire et ne jamais pointer personne. Toujours traiter l'arme comme si elle serait chargée. Utilisez la méthode enseignée dans les cours TPTO prouvés pour une manipulation sécuritaire. Vous devez prendre connaissance de la trajectoire de la balle et de ce qui se trouve en arrière de votre cible. Et ma gang de blocs à batterie, allez vous chercher des Scott Towel pour essuyer le jus de Doritos sous vos doigts parce qu'aujourd'hui, on passe en revue la Savage Axis 2 Precision Rifle. Je vous mens pas, je me suis buildé, je me suis construit la carabine de mes rêves. Et sur ça, aujourd'hui, on va regarder ça, on va passer en revue la carabine, on va aller au chantier, on va tester sur notre mannequin qui s'appelle Pinky Willy. Regardez les différents types de balles. On va vérifier la maintenance de l'arme suite à une session de tir. Alors moi, pourquoi est-ce que je l'ai monté ma carabine? Je l'ai monté pour faire aller à la chasse, à l'orignal, à l'ours, au chevreuil. Mais j'ai aussi bâti cette carabine-là pour faire du tir sportif, du tir de précision. Si t'es ici pour des vidéos ASMR, je te le dis tout de suite, t'es pas à bonne place. Pas de vidéo ASMR ici. Certains d'entre vous le savent, quand j'achète quelque chose, je l'étudie, je l'analyse, je veux que ça a l'air badass, je veux que ça ait un bon prix, je veux que ça soit fiable, puis je veux que ça soit solide. C'est tous ces critères-là. Sur ce, je vous présente la Savage Axis 2 Precision Rifle en 30-06. Et voici donc le Savage Axis 2 Precision Rifle. On va commencer tout d'abord par la crosse ici, qui est ajustable avec différentes cales que vous pouvez changer, modifier tout dépendamment de vos besoins. Ici on a un repose-joue qui est ajustable en hauteur. La carabine est bâtie sur un châssis MDT, qui est un châssis en polymère. D'autres résistances. La carabine est dans le 30-06, elle s'appelle 30-06 EV Barrel ou 30-06 Canon Lourd en français. Ici, on a mon scope Vortex Viper, c'est un 2.5-10. Ici, on a le chargeur de 5 balles, que vous remarquerez que pour les biens de la présentation, j'ai mis une balle déjà pétée. La gâchette est ajustable, mais moi personnellement, j'utilise la tension du fabricant. Ici, on a une prétention sur la gâchette. J'utilise la tension originale du fabricant. Je vais vous montrer ensuite les accessoires que j'ai rajoutés, parce que cette carabine-là, de toute évidence, ne ressemble pas à ça quand vous l'achetez. Quand vous l'achetez, vous n'avez pas de scope, vous n'avez pas de Picatinny Rail, vous n'avez pas de bipod, vous n'avez pas de laser, vous n'avez pas de muzzle brake. Donc tout ça, c'est des accessoires que j'ai rajoutés. C'est une carabine à verrou ou bolt action en anglais. La cartouche qui éjecte. Donc quand on met l'arme au repos,
Moi, je mets une douille vide. J'enclenche le verrou. Comme cela. Et puis, je fais feu sur la cartouche pour enlever la tension sur la pin de mise à feu. Ici, on a une pistol grip de style AR-15 qui est très confortable, très ergonomique, anti-dérapante. Vraiment, on sent une bonne qualité au niveau de l'arme à feu. Le châssis MTD est conçu pour une robustesse. C'est pas conçu pour la légèreté. Cette carabine-là est très lourde. Hein? On la qualifie de heavy barrel. Elle doit à sol, à sec. Elle pèse approximativement 10 livres. Donc, on rajoute le bipode, on rajoute les picatinny rounds, on rajoute le laser avec le rack pour le laser, on rajoute un muzzle brake, on rajoute des gants pour aller à la chasse pour mettre épauler l'arme, on rajoute un scope, tout ça. Grosso modo, l'arme actuellement doit peser à peu près entre 11 et 12 livres, approximativement. Donc, c'est sûr que c'est pas pour les tapettes. Une de mes ajouts préférés ici, c'est le muzzle brake. 30-06, c'est du gros calibre, ça donne un pas pire punch. Donc, ceux qui ont de la 30-06, vous savez que le petit muzzle brake ou l'anti-recul ici qu'on visse au bout du canon, pas toutes les carabines qui sont tradées, qui sont filetées pour recevoir un dispositif anti-recul. Mais sur celle-ci, on a la possibilité, et je vous recommande fortement de le faire, si vous avez un calibre 30-06, vous allez voir, dans des tirs rapides, des tirs de rafale, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup en précision, puis vous allez beaucoup moins souffrir. Votre épaule va beaucoup moins souffrir à la fin de la journée. Si vous aussi êtes un OG, juste à vous abonner à la chaîne, ça coûte rien, c'est gratuit, ça supporte le channel, et soyez les premiers informés des dernières vidéos. Une de mes dernières additions, c'est ce petit laser chinois qui a coûté à peu près 30$. C'est sûr, ça vaut ce que ça vaut. J'ai l'intention de l'utiliser pour faire des calibrations au niveau de la lunette de visée ici. On a un ajustement pour le X et le Y ici. Pour ajuster, on regarde, on est à peu près... J'ai encore peut-être un peu de réglage à faire, mais si on regarde dans la lunette de visée, on voit que le pointeur laser est approximativement au centre de la croix. On voit actuellement le beam du faisceau laser. Assez cool, merci. Un peu plus de détails sur la lunette de visée Vortex Viper. C'est une 2.5 10 × 44. Une lunette de visée avec une bonne précision, une belle clarté. On a une croix simple à l'intérieur de la lunette de visée qui donne un affichage extrêmement précis. C'est sûr, c'est pas une cible qui est graduée. On n'a pas d'échelle à l'intérieur. Mais pour avoir fait plusieurs séances de tir avec, je dois vous dire que c'est une lunette de tir qui est extrêmement efficace. La lentille, elle est purgée au nitrogène, ce qui fait que lorsque vous allez aller sous la pluie, à la chasse ou dans les mauvaises conditions, bien, vous n'aurez pas de lentilles qui embuent. Les points forts, selon moi, du Savage Axis 2 Precision Rifle, c'est sa grande personnalisation. Il y a tellement d'ajustements et de modifications possibles sur la carabine, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir la mettre à votre goût, l'ajuster exactement comme vous allez le vouloir. Et vous allez pouvoir passer des heures à la peaufiner pour obtenir un tir précis à chaque fois. Pour installer la courroie, vous allez avoir besoin de deux adaptateurs M-Lock. Un qui se fit au bout de la crosse, juste ici. Et puis vous allez en avoir besoin d'un autre ici, que vous allez fixer dans un des trous M-Lock. Comme vous voyez, moi j'ai installé trois rails Picatinny en aluminium de 6 pouces chaque dans les ancrages M-Lock sur le châssis. Pour enlever la botte, pour des fins de nettoyage, de toute évidence, on va tirer la botte, on va éjecter la cartouche dommée. On a un petit levier ici qu'on va venir appuyer en même temps d'appuyer sur la détente.
Je vais essayer de le faire en tenant la caméra, c'est pas évident. Et voilà. On vient d'enlever la botte. Très facile à enlever. Très facile à nettoyer. Vous voyez ici, on a l'orifice du canon à l'intérieur. Donc pour remettre la botte, c'est aussi simple que de dire « Papa, dans moment, on enligne la botte dans son trou. On appuie sur le même petit levier qu'on a appuyé pour l'enlever, tout en appuyant sur la gâchette. Et puis ensuite, on pousse la botte en place. On relâche et la botte est verrouillée. Elle ne peut plus sortir. Et on verrouille. Bien sûr, on va remettre une cartouche vide, qui est déjà amorcée pour ne pas endommager la tige de mise à feu. Les munitions maintenant, ici, j'ai trois types de munitions, deux différentes compagnies, parce que ici, on a du Remington, ici, on a du Winchester. Ceux-là, je les ai pas essayés encore, c'est du 180 grains. À date, j'ai seulement qu'essayer du 165 grains. C'est pour ça que demain, on va aller aux chantures. On va aller vérifier la balistique sur le 180 grains. La différence entre les balles, c'est que ici, on a une balle de plomb qui est sensiblement pour le tir à la cible. Versus, on a la Core Lock qui est typée avec une pointe en polymère qui va éclater dans la cible, puis qui va faire un maximum de dégâts, puis qui va faire que notre gibier ne souffrira pas lorsqu'on l'atteindra, qui va faire que possiblement qu'on n'aura pas besoin de courir après pendant des kilomètres et des kilomètres, puisque la balle va être fatale dès le premier coup. Donc la Core Lock Tipid, un peu plus cher, environ 60$ la boîte. Ici, dans le fond, là, celle-là, la 180 grains au plomb, elle est un petit peu moins chère. Et puis ici, on a la Remington Core Locked Air, qui est la balle la moins dispendieuse qu'on va utiliser pour faire une calibration au niveau de la lunette de visée pour avoir une calibration qui soit la moins dispendieuse possible. Parce que c'est sûr qu'à coût de 60$ la boîte, on va pas passer 6 boîtes de balles pour calibrer notre scope, parce que ça va faire des journées au chantier qui coûtent cher. Alors ça fait pas mal le tour du Savage Access 2 Precision Rifle. Donc on a parlé des balles, on a parlé des accessoires, on a parlé de toutes les composantes de l'arme. Donc demain, on va aller tester le 180 grains. Celui-là, j'y garde pour la chasse. J'en ai déjà passé une boîte. Ça m'a fait mal au cœur. Donc ceux-là, je les garde strictement pour la chasse. On va commencer à se setuper. On est live. Donc bien important, bien s'épauler. On peut ajuster notre lunette de visée. Seulement garder de droite sa détente au moment où est-ce qu'on est prêt à tirer. On ajuste le focus. Si on augmente la puissance de notre scope, il faut ajuster le focus par la suite. On va avoir une belle cible. Donc là, à l'heure actuelle, on a du 165 grains. On va commencer avec le 165 grains. La première fois aujourd'hui que je teste le bipod, donc je sais pas ce que ça va donner. On va souhaiter qu'il tienne la run. Donc on a un autre chargeur de 165 grains. Après ça, c'était ma dernière boîte de
Forelock cheap. Après ça, on va passer à la Remington 180 grains. On va voir comment que ça pète. On va tester une petite rafale. On va essayer ça, voir. Important bien s'épauler. À date, le bipode, excellent. Excellent, il reste stable, il bouge pas. C'est pas débattu. Malade! Encore là, l'anti-recul fait extrêmement bien le travail. C'est merveilleux, on sent une petite poussée. Mais c'est le jour puis la nuit, je vous dis, si vous avez une 3006, vous avez la possibilité de mettre un anti-recul. C'est une excellente addition à votre carabine. Donc là, on va passer à Winchester 180 grains. Que j'ai jamais essayé. On va essayer ça ensemble aujourd'hui pour la première fois. 180 grains. Encore une fois, c'est une balle de plomb. Fait que, donc, c'est des balles qui sont relativement peu dispendieuses. On est chaud. On est chaud. Ouais, ça paraît quand les bouchons sont pas bien placés, ça résonne. Encore là, c'est une carabine qui est super fiable, qui travaille bien. On sent la botte qui travaille super bien, aucune restriction, vraiment là. Chapeau à Savage pour l'Axis 2. Maintenant, on va essayer de voir sur notre mascotte Pinky Willy qu'est-ce qui se passe avec notre mascotte quand elle rencontre une balle de 180 grains de 3006. Je pense que Pinky Willy a mangé à voler. On a un orange qui a complètement disparu. La GoPro qui s'est faite poivrer de jus d'orange, mes amis. Donc, vous voyez le résultat de l'impact, là. GoPro va être collante tantôt. On est live avec du 180 grains. Oh my god! Le melon d'eau, là, il a disparu. Encore une fois, avoir un petit peu de nettoyage à faire sur la GoPro. Qu'est-ce qui se passe avec notre ami Pinky Willy? Comment ça te met en point, notre ami Pinky? On a ouvert la faune et la flore un matin. Ok, going hot. Pas évident. Et vous voyez comment c'est clair. Avec la caméra, ça n'a pas l'air clair. Mais c'est extrêmement clair. Thank you.
Là, on va aller nettoyer, c'est extrêmement important pour moi. Vous savez, moi, j'aime la nature. On va être respectueux de l'environnement dans lequel on travaille. On va le laisser dans le même état dans lequel on est arrivé. On va tout ramasser, même si c'est juste des fruits. On va s'assurer que ça soit propre. Et seulement qu'avec la force d'impact, on n'a même pas tiré sa chaudière. Regardez ce qui se passe avec la chaudière. Juste avec la force du melon d'eau qui éclate, ça a fait fondre la chaudière en deux. Donc là, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Parce qu'on veut pas mettre de plastique dans la nature. Donc on va ramasser nos cochonneries. Puis ça va être pas mal ça qui va être ça pour aujourd'hui. Bon, on va dire adieu à la chaudière, je pense. Donc mon impression finale sur la Savage Axis Precision Rifle. Une excellente carabine, très fiable, solide, précise, pour un prix somme toute abordable. Hein. C'est sûr que c'est quand même pas donné. On parle d'environ 1 500 $ canadiens, approximativement, dépendamment de où est-ce que vous l'achetez. Donc, j'espère que comme moi, vous avez eu beaucoup de plaisir à regarder les images. Rappelez-vous qu'il faut rester sécuritaire, il faut respecter l'environnement dans lequel on travaille, on nettoie. Pareil comme à la chasse, on laisse pas de douille, on laisse pas de cochonnerie, hein? Ramasse tes esti de cochonnerie, comme il dit. Si vous, comme moi, vous êtes un OG, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la chasse, les armes, le plein air et bien plus. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine!